Mesdames, Messieurs, bonjour. Comment allez-vous en ce week-end un peu nuageux? C'est l'édition du Web Journal de 17h du Parti québécois. Moment inusité dans une campagne électorale. Donc, ce matin, M. Legault en conférence de presse qui revendique toutes les compétences en environnement, avant plus tard de se dédire et finalement d'accoucher d'une souris en disant que ce serait évidemment l'idéal, puisque évidemment vous comprendrez que ça nécessite un rapatriement de pouvoir du gouvernement fédéral. Donc que ça serait un idéal et que ça pourrait peut-être se faire dans un premier mandat ou encore dans un deuxième. Alors M. Legault, qui est fidèle à lui-même, qui revient sur ses déclarations et qui est finalement, au cours de cette campagne, plein de contradictions. Madame Marois, ce n'est pas le cas. Madame Marois, lorsqu'elle annonce quelque chose, c'est fouillé et c'est recherché. Donc, elle était ce matin dans la Naudière en compagnie de ses candidats du coin et elle faisait le point sur ce que le Parti québécois, une fois au pouvoir, ferait en matière de santé. Premièrement, il faut que nos aînés puissent recevoir des soins à domicile au lieu de devoir attendre dans les urgences ou à la clinique. Deuxièmement, il faut poursuivre le développement des groupes de médecine familiale pour que les parents ne soient plus obligés d'attendre à 5h30 le matin devant une clinique pour faire soigner son enfant. Pour une meilleure prise en charge, il faut rendre accessibles d'autres professionnels de la santé dans les groupes de médecine familiale. Rencontrer un psychologue, un inhalothérapeute ou nutritionniste est parfois très difficile. Pourtant, ils facilitent le suivi de, c'est-à-dire le suivi de santé des patients et permettent de libérer le médecin qui peut ainsi voir d'autres patients. Les super infirmières, elles aussi, elles peuvent jouer un tel rôle. Nous allons donc nous assurer de la présence de ces professionnels dans les groupes de médecine familiale. Les gens pourront se faire soigner sans devoir attendre de voir un médecin pendant des heures pour des problèmes qui pourraient être réglés par un autre professionnel. En mettant tous les professionnels de la santé à contribution, nous pourrons mieux soigner notre monde et nous pourrons le faire plus rapidement. Depuis longtemps, le Parti québécois propose que les pharmaciens puissent en faire davantage. Au lieu de longues visites à l'urgence ou en clinique, les gens qui ont besoin, par exemple, de faire ajuster ou renouveler leur médication pourront venir à la pharmacie. Voici donc des mesures concrètes, pleines de bon sens, que nous pourrons mettre en place rapidement. Toutes les personnes qui pourront recevoir des services de santé chez eux, auprès des super-infirmières ou des pharmaciens, n'auront pas à aller dans les urgences ou les cliniques. Je rajoute ceci pour les gens de Lanaudière qui sont victimes actuellement d'une très grande injustice. Le financement accordé par le gouvernement est très en dessous des besoins d'une population en forte croissance. Je veux que les gens de Lanaudière sachent une chose. Un gouvernement du Parti québécois va augmenter le niveau de financement de la santé ici pour mettre fin à cette injustice. Ça fait 10 ans qu'on en parle et il faut passer de la parole aux actes. Autre nouvelle de la CAQ, aujourd'hui, finalement, M. Legault a dit qu'il ne présenterait pas de cadre financier de ses promesses électorales, qui se chiffre, je vous le rappelle, à plus de 4 milliards de dollars, 4,5 milliards de dollars, avant que le parti de M. Charest ait présenté son propre cadre de financier. Ce qui veut dire que si M. Charest ne présente pas de cadre financier, M. Legault non plus, après avoir fait des promesses qui se chiffrent par milliards. Enfin, à vous de juger. Grand rassemblement péquiste ce soir à Laval. On écoute Léo Bureau-Blouin. Le 11 août prochain, je vous invite à un grand rassemblement électoral qui aura lieu à compter de 19h à l'École Mont-de-la-Salle à Laval. Ce sera l'occasion de discuter, de débattre, mais surtout de célébrer le Québec que l'on veut. Parce que le 4 septembre prochain, maintenant plus que jamais, nous aurons l'occasion de voter pour un Québec qui nous ressemble. Finalement, une campagne électorale, c'est coûteux. Et comme le Parti québécois se finance avec de petites contributions qui ne proviennent pas de certains lobbies, alors donc voici ce que Djimila Benhabib, la candidate à Trois-Rivières, avait à vous dire. Fière d'appartenir à cette équipe formidable du Parti québécois, avec une chef, une femme de conviction, une femme de passion, une femme de compétence. Au Parti québécois, on n'oppose pas les jeunes aux personnes âgées. Au Parti québécois, on ne tourne pas le dos à sa jeunesse et on ouvre les bras à ses aînés. C'est ça, vivre dans la dignité, vivre dans la liberté. On vous appelle à faire un don au Parti québécois.
Prochaine webdiffusion en direct de Laval ce soir, où se tient ce grand rassemblement. Quant à nous, nous nous retrouverons demain à compter de 17h. C'est l'édition week-end. Au revoir.